Alors c'est vrai qu'on est très bien physiquement. Pour ma part, c'est vrai que un match de foot, ça se gagne aussi dans les duels. Donc il faut être performant de ce côté-là. Toute l'équipe a montré un état d'esprit remarquable jusqu'à maintenant, en particulier lors des deux derniers matchs. Et si tu veux gagner un match, ça passe par gagner les duels, bien sûr. Après, physiquement, par rapport à l'Euro, je ne sais pas, peut-être qu'il y a moins, il y a aussi moins cette pression de jouer à domicile qu'on pouvait ressentir sur certains matchs, même si évidemment que la pression sur nos épaules est assez importante pour cette Coupe du Monde. On en est conscient, mais on joue peut-être davantage, je veux dire, l'équipe a acquis de l'expérience depuis ces 2 ans. Et je pense que ça se voit sur le terrain. Après, physiquement, vous savez, la chance de jouer une Coupe du Monde, c'est pas tous les jours que ça arrivera. Donc chacun est vraiment conscient que même si on est moins bien physiquement, il faut se mettre minable sur le terrain et pour les partenaires. Mais c'est sûr qu'on est très bien physiquement, dans la tête. Donc tous les feux sont verts et je suis persuadé que ce sprint final sera mieux que celui de l'Euro.